Longtemps, Pierre Palmade n'a pas accepté son attirance pour les hommes. Pour cacher ce mal-être autour de son orientation sexuelle, le comédien de 54 ans, concerné actuellement par 3 enquêtes, avait opté pour un double jeu. Secrètement, il entretenait des relations sexuelles avec des hommes. Officiellement, il séduisait les femmes. C'est ainsi qu'il a notamment vécu une relation amoureuse passée avec Véronique Sanson, de 19 ans son aînée. Ce schéma amoureux, avec une différence d'âge, ne déplaisait pas à Pierre Palmade. Il se laissait régulièrement tomber amoureux de femmes mûres, comme il l'a écrit dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019 aux éditions HarperCollins. La chanteuse de 73 ans n'a pas été la première femme, plus âgée que lui, pour qui Pierre Palmade a été épris de sentiments. Il l'a indiqué dans son livre de 2019, avant Véronique Sanson, il y a eu plein d'autres femmes dans le même style, fortes, indépendantes, belles. Il s'est souvenu notamment d'une femme rencontrée autour d'une émission de télévision. La productrice de la classe, elle a 20 ans de plus que moi, je lui fais la cour, on flirte. Je la préviens que je vais peut-être avoir des pannes sexuelles, dont on esquive le moment d'aller au lit, a écrit Pierre Palmade, dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre ». Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes ne saviez pas de sexe avec les femmes. Pour Pierre Palmade, s'il parvenait à charmer plein de femmes, Pierre Palmade provoquait en elles de la déception ou de la colère suite à son impossibilité à passer à l'étape suivante. Par ces mots, celui qui est désormais sous contrôle judiciaire depuis ce mardi 7 mars, évoquait ses difficultés intimes avec les femmes. Ainsi, ses conquêtes féminines mûres, qu'il dénommait Amazon, répondaient à d'autres besoins présents en Pierre Palmade. Tout d'abord, celui d'épater les copains avec ses femmes magnifiques et plus âgées que moi. Mais également, se nier à lui-même son attirance homosexuelle. Une façon d'affirmer que je ne suis pas homo. Dans son bouquin, en 2019, il avait fini par résumer sa situation amoureuse complexe par la phrase suivante, « Pas de sentiments avec les mecs avec qui je veux coucher. Pas de sexe avec les femmes que je veux séduire. » Crédit photo, Jack Tribeca.